Allô Chloé! Allô Chanel! Allô! Donc, on est en excursion de nuit. Matinale. Il est 5h30 du matin. Ben, presque 6. On s'en va voir le coucher. Le lever du soleil! C'est dans combien de temps, Chanel? Le lever du soleil, dans 40 minutes. 40 minutes? Ok. Donc, on va faire une petite flight de 40 minutes. On est sur de voir quelques petits animaux, peut-être des léopards. Ouais. Des lions, qui sait? Qui sait? Qui est rendu quelle heure? 6h30. Ouais. Ok, fait qu'on a fait une demi-heure de camion. On est rendu à ça. Le lever du soleil qui arrive bientôt. Il n'y a pas encore de soleil, mais les couleurs sont vraiment belles en pleine savane. Pour votre information, parce que je trouve ça vraiment pertinent, cet arbre-là, quand tu le touches, tu deviens automatiquement aveugle à cause de la sécrétion blanche. Les influenceurs in the wild, c'est vraiment beau tout. Je viens de terminer le déjeuner. Chloé, elle a fait un bouchi-bouchi. Ah ouais. On a vu le lever du soleil. Il n'y a plus les belles couleurs de tantôt. Mais il commence à faire chaud. On va aller voir des lions. Des lions, puis on va se dévêtir. On va se déshabiller. Je viens de faire des petites lulus parce que en game drive, que ça s'appelle, quand que tu roules, les cheveux se mêlent full. Donc, t'as pas le choix de faire des tresses ou une tresse française. Comment vous aimez? Moi, j'aime beaucoup. Oh! Elle est comme what the fuck. Non mais elle est super curieuse. Elle est comme bon, qu'est-ce que je fais? Y en a-tu un autre là-bas? Oh! On dirait un dinosaure. Il est rendu 10h30 du matin. Là, il commence à faire vraiment chaud. Je me suis changée. Petite jupe, petit polo de course. Je suis avec... changé de place. Ouais, changé de place, changé de cheveux. Amérindienne, tennis Amérindienne, girl. Tennis girl. Puis on cherche des léopards, mais on n'en a pas vu. Mais on a vu plein de lions, plein de girafes, plein d'antilopes. Black jackal. Des hippos. Des gros. Quoi d'autre? Des vautours, des aigles, plein de lions, pour vrai. Plein de lions, c'est vraiment nice. De très proche. Waterbug. Mais on a vu les principales. T'sais, on a vu aussi les éléphants. Les éléphants, mais de loin. De loin. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de girafes. Des zèbres, oui. On n'avait même pas de zèbres. Mais ouais. Fait que ça, c'est la 4e journée pour moi. 3e journée pour eux. Ça va être 2 fois de suite qu'on voit des lions. Puis même que j'ai failli n'en voir tuer des antilopes. On continue notre safari. Ça se passe bien. Vers midi, il fait très, très, très chaud. En plus, on est en saison de pluie. L'herbe est toute verte. Il y a beaucoup d'arbres, mais dans saison sèche. C'est tout jaune et il y a des plaines à perte de vue. Donc, c'est beaucoup plus difficile de trouver des animaux. Safari Girl! Voici la savane de la Tanzanie. On est à Rwara. À Rwara? Je me fais juste pas filmer. Fait que là, les impalas, c'est toutes des mâles parce qu'ils ont des cornes. Puis les mâles, ils se tiennent ensemble quand c'est des losers. Donc, ils ont c'est pas de femelles. C'est quoi des losers? C'est ça, ils ont pas de femelles. Ils ont zéro femelle. Fait que là, toutes les mâles se tiennent ensemble parce qu'elles sont rejetées par les femelles. Puis quand il y a un mâle dominant,
Il y a 75 femelles avec lui. Sérieux? Fait que lui, c'est pas un loser, c'est un king. Un king de la savane. Ils sont derrière Hélène, mais ils sont un peu partis. Ils sont un peu partis. Ils sont tellement losers qu'ils sont partis. On est en train de souper avec ma femme. On s'est mariés. On s'est mariés, on est notre honeymoon. Merci Chanel. Merci Chanel. Le plus beau souper ever. Mais là, j'ai manqué le coucher du soleil. Ouais. Il est comme plus là. Yeah. Ah, mais... Un peu dans le regardez comme c'est beau. Le chef qui est derrière nous, en train de cuisiner. Avec les petites chandelles. J'ai bien la face rouge. Attends. Les cuisiniers. Chloé. Ma femme. T'as dit votre chef. On vient de finir notre lune de miel, moi puis Chloé. Lune de miel. Lune de miel. Lune de miel. Non, mais j'ai trop bu. On s'en va. Vous allez à Dubaï fêter votre lune de miel. Non. On s'en va en game. Drive night. Fait qu'on s'en va voir des animaux dans la nuit. Puis... C'est tout. Les animaux, à ce qui paraît, ils sortent beaucoup plus la nuit. Donc, je vais vous filmer ça. Là, ça va être un peu dur de filmer dans le noir, mais... Parce qu'on voit une flash pour les animaux. Exact. Donc, je sais pas comment je vais filmer ça. Je vais pas vous filmer ça, mais... Ben, les larmes de poche, oui. Les larmes? Non, les lampes. Ben, parce que comment qu'on va voir, sinon? En tout cas, on va regarder ça pour vous. On vous revient. On vous revient. Je peux montrer le petit setup de notre ligne de ouais, hey, c'est tellement beau. C'est les étoiles. On voit pas dans mon vidéo. This one. You see the producing some sound. C'est énorme. Some sound and it's called shh. Ah oh, ouais, ils font du son. Attends, j'ai collé mon sel à eux. Here, that. You see? Like du Pepsi. You see that? Mm-hmm. Ouais, du petit Pepsi, là. Check. Il continue, là. Check off. Là, on embarque dans le Jeep. This is the night drive. Avec les bougies. Les baby bouches. Oh, mes souliers de safari. Deux gros dâches. On voit juste deux gros. Oh. Un bébé de 10 tonnes. Le drama. Ben là, c'est la police. La police. Ah, bon. Ah, ben là, c'est pas du bon drama, ça. Là. Moi, la fille, elle veut du drama même en Afrique. Là. Il y a le bon frère. Ah, il s'en va? Tourner le dos comme ça. Voyons. En Game Drive, on a juste vu des culs de hippopotame. Mais on a vu un bébé hippopotame de vraiment proche. Je l'ai filmé pour vous. Là, je suis retour à la maison. Je suis nue comme un verre. Et je m'apprête à dormir. C'est quand même très épeurant. Parce que je suis dans un hôtel tente. C'est toutes des screens. Puis
qu'est-ce qu'on entend? C'est la nature. Puis on peut entendre des lions, des éléphants, des hippopotames vraiment proches. Puis c'est ouvert. Il y a juste un screen, une fine couche à air ouvert. Mais ils disent qu'il n'y a pas de danger. Il y a des fois des éléphants qui se promènent juste ici. Des cris d'éléphants, des cris de lions. Pour l'instant, j'ai rien entendu. C'est vraiment grand. Je vais vous faire un petit tour demain. Sans lumière, sans rien. Avec juste les criquets derrière. C'est quelque chose. Mais pour vrai, tu t'habitues. Même le Jeep ouvert, quand il y a des lions, quand il y a des hippopotames, tu t'habitues, puis genre, tu te rends compte qu'il n'y a aucun problème que l'animal, il rentre dans le Jeep ou il charge le Jeep. Moi, j'avais vraiment peur de ça. Je me demande s'il y a des serpents qui pourraient rentrer. Mais c'est quand même très, très chic. 5 étoiles, donc s'il y a un cobra qui rentre, c'est ça. Mais les étoiles gagnent. Les étoiles sont insane ici, là. On est en beau milieu de nulle part. Il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Moi, juste les étoiles à perte de vue. Je viens de sortir de ma chambre et je m'en vais à la lodge. Il est 6 heures du matin et on fait le dernier safari de la semaine. Il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne le soir ou le matin parce que c'est trop dangereux avec les animaux. Wow! Hey, on est vraiment proche. Dernier safari. Fait que là, on va voir quoi aujourd'hui? Léopard. It's a real giraffe. It's a real one. Oh, for the fly. Like a classy man. Ça, c'est pour chasser les mouches. Tu l'as vu, la chouette? Oui, je l'ai vu. OK, fait qu'on va chasser les mouches. On est très fancy. On a des queues de girafe. On a des queues de girafe pour chasser les mouches. Moi, j'ai toujours pensé qu'un safari c'était fucking fancy, mais on a juste l'air. Dans le fond, là, c'est pas si fancy que ça là, qu'on pense. C'est vraiment into the wild. Tu portes pas ton Dior pis ton Hermès ici. Non, je sais pas pourquoi ils m'ont fait un film. Ouais. En petit talon. Avec leur coffre Louis Vuitton. Burberry, exact. Ouais, non, t'amènes pas ça ici. Laissez ça chez vous. On porte nos édifices glaces, mes amis. Encore en excursion, puis je veux juste montrer les mouches. Tout ça, c'est pas des points noirs, là. Ce sont des mouches. Ah, j'en ai moins que toi, je pense. Mais c'est parce que je suis en avant. C'était derrière. Ouais, je suis derrière. Les mouches. Oh, mon Dieu. Chloé, elle les pogne toutes, puis après, c'est moi. Vive le safari. On est en panne. En parlant de ça. On a l'avion à prendre en comme. Dans comme 30 minutes, mais pas de stress. Aucun stress. Toi, comment tu files à propos de ça? Moi, je viens de m'enlever à peu près 500 000 mouches sur les jambes qui étaient pognées dans mes poils, puis dans mes sourcils, mais là, tout va bien. On va espérer que l'auto marche, puis qu'on se rende à destination. Merci de m'avoir écouté. Bye! Hey, la petite crise d'avion pour 2 heures de vol. Alarm supply. From here to Irina. To Zanzibar. Donc, comme que expliqué, on s'en va à Zanzibar, mais on a 2 heures de flight pour aller à Dar es Salaam et après 15 minutes de flight pour aller à l'île de Zanzibar. Et là, on décolle 2 heures de vol dans un petit avion de l'Afrique de l'Est. Ouh! On s'envole!
je sais plus où ce qu'on est, dans une autre savane, en quelque part, en Tanzanie. Puis on reprend l'avion dans 10 minutes. Là, on fait le security check. Puis c'est quoi que t'as dit? Il y a juste une balance qui date de 1910. La balance pour les bagages, 1810. 1810. Moi, je dis 1920. 1940. La balance, c'est 1996. Fait qui a gagné? Moi, Chloé! Puis tu gagnes quoi? Un putain de jean 14 secondes. Yay! Fait qu'on s'en va à Zanzibar. On va faire quelle activité? Le cheval. On prend le petit vol pour aller à Dar es Salaam, celui-là. Après ça, on en a un autre, le petit avion. Dead, je suis saoule. J'ai bu deux drinks. Là, on s'en va se changer en maillot de bain. Puis on se pitch dans l'eau. Ouais. Ouh! Elle vient de se mettre à poil devant moi. Mais je peux pas vous montrer. Mais moi, j'ai la belle vue. Je regarde. Je suis Donc, je me suis mis en maillot. Et je m'en vais à la plage. Les amis sont derrière. On est à l'hôtel Drifters. On va toucher l'eau, c'est froid ou chaud. Oh! Hey, fucking chaude! Oh my god, c'est même pas rafraîchissant comment elle est chaude. J'ai perdu ma caméra. Là, on book un trip avec les dolphins. J'ai jamais vu un singe d'aussi proche. Il est tellement chill. Ah! Ah! Tu veux voler ton téléphone? Oh mon dieu! J'ai vu son bouton qui est par terre. Oh! Les jeunes mariés. Je me demandais pourquoi j'avais mal à plat. Puis là, genre, je me suis dit. On m'a fait du fucking cheval, moi. Fait que c'est à cause Hélène, du cheval. Ouais, exact, elle a tout chié mes photos. Son affreux, c'est ça, coupé Hélène, tu vois son cheval. Là, je voulais être genre pretty, sexiness on the cheval. Il y a rien de cute. Okay. Ouais, il y a rien de cute. Moi, sont belles. Fait que là, on attend nos sugar daddies. Parce que finalement, tu sais, on est allé en Australie. En Afrique pour nos sugar daddies parce que à ce qui paraît, on en a pas. Hein. Genre, c'est fou qu'Hélène, elle habite à la hauteur de mes seins. Genre. Elle habite! Quand je veux qu'elle mange mes pieds, c'est vraiment pratique. Massage. Oh! Say something in Swahili for my vlog. Yeah, man, yeah. Yeah! More! I am Mimi na wapenda wote. Love you so much. Yeah, no mwema. Hakuna matata. Jambo. Jambo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de chasser des dauphins, on regarde au loin, puis là on en voit, et on saute à l'eau avec eux. C'est full dangereux parce qu'il n'y a pas de gilet sauvetage ici, ça n'existe pas. Il y a juste une bouée là, la bouée, qui sauve le monde. Toutes les têtes, tous les gens sont dans l'eau, mais il y a des milliers de bateaux, puis on peut tous leur passer dessus. Puis il n'y a rien pour genre comme signaler qu'il y a une personne à l'eau. En tout cas, ça c'est l'Afrique, mes amis. L'Afrique, tout le monde se pitche à l'eau pour voir les dauphins sans gilet de sauvetage. C'est spécial. J'adore. Donc Chloé, elle vient de dire... On vient de manger avec comme 300 dauphins en dessous de l'eau. C'était malade. Honnêtement, une expérience incroyable.
on va en chercher d'autres parce qu'elle n'avait pas y aller, mais ben, j'ai peur. Je vais le faire. On a vu des dauphins, c'était malade. On se pitch à l'eau comme des enchaînés. Ouais. Puis on suit les dauphins. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Je suis contente de l'avoir fait. C'était malade. Wow! Là, c'est l'heure du lunch. Ils préparent le petit repas. Cute! Avec sa petite coconette. L'eau est bleue, bleue, bleue. Je sais pas. On s'en va à la maison, ok? Fait que là, enfin. Là, on a comme 15 heures de. Non, 30 heures de vol. Puis on prend le taxi. Ben, t'as maintenant que le taxi coule. Bienvenue en Afrique, mes amis! Le taxi coule. J'ai oublié de vlogger à Zanzibar, notre fabuleuse maison de paille. Il faisait 40 degrés. On n'avait pas d'air climatisé. Qu'est-ce que t'en penses? C'était épouvantable. Je sais même pas comment on a survécu à cette. On s'est pas baigné dans la mer zéro. On s'est baigné quand on est allé voir les dauphins. Ouais, exact. Ok, fait que là, on s'en va à Dar es Salaam. Ouais. Dans notre loge pour la nuit. Puis on va reprendre l'avion demain. 30 heures de vol, mes amis. C'est épouvantable. Vous êtes jamais allé en Afrique. C'est loin, loin. Loin comme le Christ, genre loin comme l'autre bout du monde, c'est l'Afrique. Japon, oubliez ça, le Japon, c'est pas loin du tout, là. Je suis allée au Japon. Tout le monde dit Japon, c'est l'autre bout du monde. Non, 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 l'Afrique, c'est l'autre bout du monde. Thaïlande, c'est l'autre bout du monde. Mais l'Afrique, c'est next level. Business class pour les pauvres. On dirait qu'on a gagné à la loto. On a 5 bancs. Attends. 1, 2, 3, 4. 4 bancs. Puis, on s'est fait un lit. Hey, pour vrai, là, on n'arrêtait pas de sourire. C'est comme si on vient de gagner à l'auto. Ben, c'est... On vient de gagner à l'auto. C'est parce que moi, je prenais tout le temps des business class. Puis ça me coûtait tout le temps 4 000, 5 000. Là, ça nous a coûté 0 $. Ben, le billet d'avion régulier, là, 1 000 $. On vient de sauver 3 000. 3 000? OK, puis on est aussi bien... qu'un business class, là. On a un petit lift à Dubaï. Fait que c'est 30 minutes de marche, puis là, on chialait, oh, tabarnak, ça va être long. Fait que là, on a un tuk-tuk aéroport. On nous reste juste un petit 13 heures. On vous montrer notre business class de pauvre. Oui, la business class de pauvre, gang, dans pas long. Attendez, ça vaut la peine. Vous allez vouloir... Vous allez voir faire ça à chaque vol. Ouais, c'est pour moi, incroyable. Moi, je dépense plus jamais 4 000 pour la business class. OK, gang. Donc, c'est maintenant qu'on vous explique la business class des pauvres. Genre, dans ce petit pot de bulles magiques. Ça s'appelle un Xanax mexicain. Une tablette de même. En vente libre au Mexique. Puis on se réveille à Montréal en 2 minutes. Je vous jure, c'est comme une bulle dans le temps. J'ai pas d'eau! Quoi? J'ai pas d'eau! Ah! Tu l'as avalé? Ouais, je l'ai avalé. Oh my god, le prix gomme en plus, c'est comme une demi, une et demie, genre. Ah, c'est une et demie? T'allais prendre une demi. Ok, bon, on va devant. On va dormir en tabarnak. Ouais, en tabarnak. Thank you.